Voilà, mais bonjour à tous. Cette fois, on va parler du rêve de la barbe en islam. Donc, c'est un peu long. Donc, c'est parti. La barbe signifie la richesse, l'honneur ou la dignité pour un homme. Si la barbe est modérément longue et bien coupée, cela signifie qu'on obtiendra du respect et que sa prospérité va augmenter. Si la barbe dans le rêve est longue sur les côtés mais pas au milieu, cela signifie qu'on devra travailler pour économiser de l'argent pour quelqu'un d'autre. Si la barbe dans le rêve est trop longue et qu'elle n'est pas coupée correctement, cela signifie la dette, la détresse et la dépression. Si votre barbe dans un rêve est si longue qu'elle touche le sol, cela signifie sa mort. Si la barbe dans le rêve s'allonge et devient épaisse, cela signifie la longévité et l'augmentation de la richesse. Mais si cette barbe atteint le ventre, alors cela signifie qu'on n'obéit pas au commandement de Dieu. Si la barbe dans le rêve devient plus longue que son poignet, alors cela signifie qu'on gagne sa vie avec l'usure. Si la barbe est noire dans le rêve, alors cela signifie la satisfaction et la richesse dans sa vie. Si la barbe est vert et noir, cela signifie une richesse plus grande. Cependant, une barbe vert et noire peut aussi indiquer qu'on est tyrannique, car les légendes racontent que certains pharaons avaient l'habitude de teinter leur barbe en vert. Si la barbe dans le rêve est jaune, alors cela signifie la pauvreté et la maladie. Si la barbe dans le rêve est blonde, cela signifie une peur terrible. Si on rêve qu'on tient sa barbe et que des cheveux restent dans la main, cela signifie des pertes financières, à moins qu'on laisse tomber les cheveux. Rêver de tirer la barbe de quelqu'un signifie qu'on va hériter de lui. Si on rêve qu'un petit garçon possède une barbe, alors cela peut signifier sa mort, car cela signifie que il a atteint le stade final de sa vieillesse, de sa vie, donc de sa vieillesse. Si la barbe commence à pousser chez le garçon, alors cela signifie qu'elle va grandir pour commander les autres. Si la barbe dans le rêve est superficielle et qu'elle le rend plus gros, alors cela signifie le paiement de ses dettes ou la fin de ses difficultés. Si la barbe dans le rêve est ridicule, ça paraît une barbe qui est ridicule, alors cela signifie la perte du respect ou peut-être la perte de la moitié de sa richesse. Si on rêve que la moitié de sa barbe est rasée, cela signifie la pauvreté. Si on rêve d'un jeune inconnu qui rase sa barbe, alors cela signifie la perte de dignité et des blessures provoquées par ses ennemis ou une personne qui possède le même nom que vous. Donc, le rêve d'un jeune inconnu qui rase sa barbe, cela signifie la perte de dignité, ou une personne qui a le même nom que vous, en fait. Si un homme vieux rase sa barbe dans le rêve, cela signifie qu'il perdra sa bonne réputation à cause d'un profiteur ou d'un ennemi. Le rêve d'une barbe coupée indique une perte d'argent équivalente à la coupe de la barbe. Le rêve de couper la barbe de quelqu'un indique qu'on va voler son héritage. Une barbe blanche dans un rêve indique la dignité, le respect et la gloire. Si la barbe dans le rêve devient grise, alors cela signifie qu'on obtiendra du respect. Mais si tous les cheveux de la barbe deviennent gris, alors cela signifie la pauvreté ou la perte de son intégrité. Si on rêve que sa femme possède une barbe, cela indique l'augmentation de sa richesse, celle de l'activité de son fils. Désolé pour le problème audio, hein, parce que... Si une femme rêve qu'elle a une barbe, cela signifie la perte de son mari, et si elle est veuve, cela signifie qu'elle va se marier avec un homme qui travaille dur et qui est compatible pour elle. Si une femme enceinte a ce rêve de barbe, alors cela signifie qu'elle aura un fils, et si elle se dispute avec quelqu'un, cela signifie qu'elle gagnera la dispute. Si on rêve qu'on tire les cheveux de sa barbe, cela signifie la perte d'argent. Si on rêve que sa barbe et sa tête sont rasées, cela signifie la guérison d'une maladie, le paiement de ses dettes ou le soulagement après des difficultés. Si vous rêvez d'une barbe suffisamment longue pour la tortiller, pour la déformer, pour la tortiller comme un vêtement, alors cela signifie que vous fabriquerez un faux témoignage. Le rêve de couper sa barbe indique aussi la perte d'argent. La barbe dans le rêve peut représenter son travail, son activité, ses pertes ou ses gains. Si vous rêvez que vous coupez votre barbe avec vos dents, cela indique des troubles et du chagrin. Si on rêve qu'on jure par sa barbe, alors cela indique son niveau de confiance et de trahison, mais également l'avarice et la générosité. La barbe dans le rêve peut aussi représenter sa femme.
Si un fermier rêve que sa barbe est noire, alors cela signifie qu'il devrait commencer ses récoltes. Une barbe blanche dans le rêve indique la maladie ou la fragilité. Si on a une barbe grise dans la réalité, mais qu'on rêve qu'elle est noire, cela signifie la force, la détermination et qu'on aura beaucoup d'énergie pour accomplir ses objectifs. Si on rêve qu'on a une barbe plus longue que dans la réalité, cela signifie qu'on gaspille son argent dans les jeux d'argent ou de sport. Cela peut aussi indiquer qu'on souffre de dépression. Si une personne qui ne pratique pas sa religion rêve d'une barbe, alors cela signifie son repentir et qu'il va retourner sur le droit chemin. La même chose est valable pour une personne qui se pose beaucoup de questions sur sa religion et qu'il cherche des conseils, le rêve d'avoir une barbe. Dans ce cas, le rêve d'une barbe indique qu'il va trouver quelqu'un qui va l'aider. Si une femme rêve qu'elle a une barbe, alors cela signifie qu'elle tente d'être un homme, ou cela peut ici signifier son insolence, une mauvaise pratique religieuse. Si un enfant rêve d'une barbe, cela indique sa longévité. Donc ça peut être contradictoire, hein, parce que précédemment j'avais dit que ça peut aussi signifier sa mort, mais ça dépend du contexte de l'enfant. Si on rêve qu'on embrasse sa barbe, cela indique un manque de volonté. Si on rêve que de la paille ou d'autres choses restent collées à sa barbe, cela signifie qu'on entend de mauvaises choses. Rêver de se raser la moitié de sa barbe indique la perte de son revenu ou de sa dignité. Si une femme rêve qu'elle a une barbe comme un homme, alors cela signifie qu'elle n'aura jamais d'enfant, à moins que la barbe soit marron ou rougeâtre. Et pour un homme, une barbe marron ou rougeâtre indique la tentation et des procès. Donc voilà à peu près le rêve de la barbe, c'est assez long, mais voilà. Si elle est, il faut juste regarder l'apparence de la barbe, en fait. Si elle est bien, même si elle est longue, mais qu'elle est bien taillée, qu'elle est belle, en général, c'est de bons signes. Mais si elle est sale, s'il y a des trucs dedans, si elle est mal coupée, en général, c'est une mauvaise chose. Et en général, pour les femmes, c'est pas vraiment un bon signe. Donc, merci et à bientôt.